c'est un peu de parfait, ça m'arrange pas. Ouais. Ça fait bien de me le dire parce que sinon je l'aurais oublié. Ouais. Ah. Non mais quand je vois il est un peu trop baissé. Là. Ça va là, ça roule bien. Ouais ça va, bah pour un samedi moi je trouve ça va. Il y a pas beaucoup de monde ou tout comme ça. Non. Non non ça va. Je sais pas si c'est la ligne qui fait ça. Hein. Ouais. Depuis ça donne des ça tous les fois. Ce matin, je suis parti, je suis allé filmer 171 de Marseille. Après, je suis allé à Saint-Maur, à côté de Créteil, et après, je suis revenu ici. D'accord. C'est une course contre la montre. Je ne sais pas. Au moins, tu auras donné. Ouais. 171, ils ont mis des sites à roue d'ailleurs. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ouais. Malheureusement, je suis tombé sur un cyclisme. Je crois qu'il n'y en a pas énormément de Staro, mais. Ouais, bah, ils sont en train de venir petit à petit. Ah, tout à l'heure, j'ai vu que sur la ligne, j'ai vu 3 cyclistes. Tout le reste, c'était du Citaro. Ouais. Là, je sais pas, ils ont récupéré tous, franchement. Du 64 de la ligne. Ah, d'accord. J'ai pris le métro 8 jusqu'à la République. Ouais. Et après j'ai pris le métro 9 jusqu'à Marseille Saint-Denis. Ça va pouvoir être moins d'une heure. Ouais. 40 minutes. Ouais voilà, c'est 45. Je sais pas si je laisse un chouga si on va voir pour la vidéo. Ah ouais non, vas-y si tu veux, baisse les baisses. Ça. Ta vidéo elle a fait au moins 12 ou 14 000 vues. Ah ouais, 179. Ouais. Et filmé comme ça sur le tableau de bord ou c'était derrière Non, toi, t'as fait une vidéo. Ah oui, t'as fait une vidéo qui a fait beaucoup plus de vues. Celle qui a fait le plus, c'était le 143, je fais 18 000. Ah voilà. 18 000 là. Ouais. Bébé. Et j'ai vu, c'était. Je la sors la vidéo. Pour moi, elle fera quoi? Maximum, allez, 4 000 vues. Et je vois ça monte, en une journée, en 24 heures, j'ai fait 3000 vues. Ouais, tu vois. D'habitude, j'en fais 800, 1000. Et là, je me dis, ah ouais, quand même. C'est marrant, une ligne particulière, t'as fait plus de vues. Ouais. Et je me suis dit, là, je vois ça monte, en 2 semaines, j'étais à 10 000, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais. Il y a 3 lignes comme ça où j'ai cartonné, on va dire, c'est celle-là. Après, il y a le 319 aussi. Okay. Et le 122 à Olivia. Et franchement, celle-là, c'est. Ah, c'est vrai que là, c'est la mieux vue. Je sais pas si le 389 ça va faire pareil. On verra bien. Voilà, ouais, si elle sort la vidéo, c'est dans 2 mois. Parce que j'ai une dizaine de vidéos d'avance. Ah bah ça va. Ah, ça va, t'as le temps. Du coup, je les sors dans l'ordre et. T'as le temps de la monter et tout. Ouais. Ils ont rien avec leur feu là, avec leur. Ils sont mal foutus leur feu. Il
Et là, du coup, c'est Poncev en face. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais. Ouais. On compte toutes les lignes, elles sont jaunes. Ouais. C'est comme. C'est comme Agnières. Agnières, ouais. Il y a des lignes qui se rejoignent. T'as tout le dépôt de Agnières, t'as toutes les lignes qui se rejoignent. Ouais, Agnières, c'est. Je sais pas si c'est. Non, pas la défense. C'est vers Nanterre. Hein, ouais, vers Nanterre, ouais, là-bas. C'est pas le même monde. Ouais, ouais, c'est vrai. Là-bas, ici, là-bas, c'est vraiment. Le monde parallèle, c'est vraiment. Ouais. Ouais, mais j'ai remarqué le nord de Paris et le sud de Paris, c'est totalement différent. Ouais. Mais vraiment de A à Z, c'est totalement différent. C'est ça. 389, direction Clamart. Cette ligne là, en fait, t'as un peu t'as d'environnement, t'as... Ouais. Ouais, elle est un peu technique, mais après, ça va. Et toi, t'es toujours que sur les lignes de Fontenay ou tu fais aussi Malakoff? Non, Malakoff, ils voulaient m'envoyer sur le 68, mais. T'as dit non? Ouais, ça me dit rien. Ouais, sur Paris. Ouais. C'est pas mon truc, Paris. La circulation, tu préfères pas. Ah non, en fait, on va dire c'est plus fatigant. Ouais. En fait, tu dois faire beaucoup plus attention. Ouais, c'est ça. Vraiment être à l'affût de tout. Ouais, les scooters, les vélos, les... de tout. Les piétons. 389, direction Clamart, Georges Pompidou. T'as déjà fait une ligne sur Paris ou... Ouais, je suis déjà parti avec un chauffeur, mais... Pas en conduisant. Ah, avec, partir avec un chauffeur c'est autre chose, mais conduire c'est autre chose aussi. Ouais. C'est deux mondes différents. Nous, à Malakoff, c'est pas les pires lignes de Paris qu'on a. Hein. Franchement, ouais, 58, non, 89. Ah, ouais, c'est vrai, il y a 58, ouais, j'avais pas. Ouais. 89, ça m'a fait quoi. Et t'as de 68 aussi. 68. Ouais, celle-ci, c'est. C'est la. C'est pas la. Elle est plus. Compliquée. Ouais, en fait, tu es souvent limité parce que tu as les manifestations passées à passer au Louvre, tout ça. Donc, tu es souvent limité, manifestations, déviations. Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est... 58, on m'a dit qu'elle était pas mal. Et 89, Porte de France, c'est terminé. Ça. De France, 58 c'est Châtelet. Ouais, Châtelet vend Michelet. Ouais. Et 89 c'est Porte de France Malakoff. Gare de vente Malakoff. Ouais, Malakoff. Je fais je crois 91 moi aussi, du coup. Du coup on a le même terminus. Ouais, j'ai vu le 58 et le 89, ils ont reçu le man. Ouais. Ah 89, 58 j'ai pas vu mais. Ah 58, j'ai déjà vu sur le 58 ouais. Ça va, c'est déjà mieux que les cités ici. Ah, la qualité allemande. Ah, c'est mieux, hein. C'est les suspensions qui sont variables. Ouais. On sent pas les trous. Les... Ouais. Ça a l'air sympa par ici. Ouais, bah là t'as une voie de bus là, et du coup ouais, tu vas récupérer les gens là aussi. Ouais, c'est sympa ici. La poêle des choses, après je vais avoir le feu, donc ça sert à rien.
début, tu sais, j'ai cru que c'était la sirène, c'est pour les citoyens, là, enfin... Ah. Ouais. Mais en fin de compte, il y a marqué sirène Romeo, comme ça. Et ça fait penser un peu. Ouais, ça fait penser, ouais, en cas de... Ouais. Et peut-être que c'était même ça, on sait pas. Tu vois, c'est un petit peu technique. Ouais. Bien prendre large, machin. Faut aller tranquille de toute façon. Là, t'as des lignes en tête que tu aimerais faire ou... Franchement, pas du tout. Ah, à Fontenay ? Ou... Ouais, Fontenay, tu m'avais dit 394. 394, et sinon... Non, 390, c'est chez vous. Ouais. Peut-être 390 aussi. Sinon, pas de ligne particulière, n'importe laquelle. 90, elle fait Vélizy, Europe Sud, jusqu'à la même. T'en as déjà fait ? Non. Il y a beaucoup de casse-croûte dessus. Parce que, ouais. Après, moi, j'aime bien les casse-croûte, ça ne me dérange pas. Ça, mais. On verra plus tard. Voilà. Pour l'instant, j'en connais 6 ou 7 du coup maintenant. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. C'est un malacote ça. Malacote. Ouais, c'est chez vous. Ouais, comme les deux dépôts sont liés. Ouais, ils sont fusionnés. Ouais. La malacote, il y a 58, 89, 68, 123, 323, 388. Ouais. Déconne. Et je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je sais pas en fait, c'est dommage. Je pourrais lister, mais il me faudrait du temps. Il y a des Chuvines aussi. Ouais. Ouais. C'est les petits bus, les Chuvines. Chez eux, à Malakoff, hein, on a récupéré 191, ça c'était chez eux avant. Et comme ils vont passer le dépôt en électrique là, d'ici 2025, du coup ils n'avaient plus de place pour mettre les bus. Ouais. Du coup, ils ont mis un Fontenay. 191, c'est elle qui fait de Port-de-Vent jusqu'à Clamart, je crois, non ? Au 191 et puis... Église de... Non. Je crois que c'est Port-de-Vent jusqu'à je ne sais pas. Oui, un truc comme ça. Après, je ne sais pas précisément. 191, j'avoue, j'aimerais pas l'apprendre, mais. Tu tournes beaucoup le dimanche après. Ah. Ouais, dimanche. Après, c'est ce que je disais. Vaut mieux toujours faire. Tu fais ton propre avis, tu fais la ligne. Ouais, tu fais la ligne, c'est toi qui vois qui. Ah ouais, après, t'as ton propre avis. Merci, Rex. Georges Pompidou. Pas moi. Je savais même pas que c'était son terminus ici, le 260. Non, c'est pas son terminus. Ah ouais. Il reste qu'à Suzanne Le Glen. Ah mais parce qu'il est peut-être limité, on sait. Ouais, ouais. Et sinon de l'autre côté, il reste qu'un Gambetta à Boulogne. C'est pas loin de la porte de d'hôtel. D'accord. Tu
vois, regarde, mon vol 289, ouais. Comme c'est une ligne antenne de 89-389. Mais celle-ci est beaucoup plus longue que 389. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, celle-ci, tu fais un peu plus de détours. De toute façon, on fait à peu près 50 minutes là, pour ça. Ouais, quand on parle de 189, c'est une demi-heure. Ouais, ça n'a rien à voir. Sinon, après, c'est pareil, 289 et 189, ou... Enfin, les itinéraires, ils sont différents, mais... 189 et 289, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir, ah ouais. Ah, ouais. Ouais. Parce que là, tu passes vers Meudon... 389, direction Clamart. Pour 289, tu passes vers Meudon. Et pour le 189, en fait, tu fais tout Clamart. Ouais. Après, tu vas... Lui, tu vois, le 289, il va pas vers la tour TF1, alors que le 189, il y va. Ah, ici, Val de Seine aussi, ouais, il y va. Ouais. Deux terminus, mais rien à voir. Bon, par contre, moi, comme j'ai un... Un feu bus, je ne sais pas si vous comprendre. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, si je passe pas au feu de bus, après c'est les voitures qui, ouais, qui vont m'embêter là. Bon, là on va tenter. Ça passe. Sur ligne de Franté, vous avez de plutôt bonnes lignes. Ouais. Comparé à d'autres dépôts. Il y a des dépôts maintenant que j'essaye d'éviter. Mais sinon, ouais. Franté, c'est plutôt un très bon dépôt. Franté, ouais, ouais, c'est un des meilleurs des dépôts. Ouais, c'est un des meilleurs. C'est vrai, c'est... franchement, ouais. C'est... Je pense qu'il doit être coté au niveau des machinistes, ils se disent ouais, c'est mieux que pour faire une demande et tout. Bah, dis-toi que c'est Créteil qui a le plus de demandes. Créteil, ouais. Pour pour changer de dépôt, c'est Créteil, je crois. Créteil, il y a beaucoup de gens qui veulent aller à Créteil, tu peux le voir. Et nous, dis-toi qu'on n'est pas. Oh. Ah ouais? Ouais, on n'est pas dans le. Ça il y a, je crois qu'il y a un premier, il y a Créteil, après je sais plus là qui. Thiers peut-être. Thiers, je crois, ouais. Après, c'est, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde aussi qui habite vers Créteil. Ouais, voilà, c'est ça, parce que Fontenay, après ça fait. Ouais, ça fait un peu plus loin. Ça fait un peu loin. Si tu n'habites pas ici, dans le secteur, ça fait un peu. Mm-hmm. D'ailleurs, je me demande c'est qui a le bras, à chaque fois j'ai oublié son nom, le bus là qui a tout un site propre. TVM. Ouais, c'est voilà. Tiers, ouais. Ah, c'est tiers. Ah bah je l'ai filmé d'ailleurs il y a un mois de là, je crois, pendant les vacances. Ah, d'accord. Et le 300, je crois que c'est 13. Ouais, qui reste qu'on marchait dans la GIS. Et ça c'est Créteil qui l'a. Tiers, non. Ah, tiers, tiers aussi, ouais. De Robin. Non, Robo, c'est ce que je raconte. De la Crotte Bernier jusqu'à marcher dans le bus. Ouais, les deux c'est check. D'accord. Ça va, ils sont tranquilles. Ouais, non, ça va, ouais. Franchement, ça va, il y a des lignes. Ouais. Quand t'as tout un site propre, ouais. Tu peux parler venu. Après, c'est venu. C'est une ligne de charge. Ah oui. N'importe quelle heure de la journée, que ce soit midi ou 20h, c'est vraiment, c'est... Bon, en fait, ils peuvent pas mettre des travaux dessus, du coup, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Après, les fréquences des bus, c'est souvent 3-4 minutes maximum. Ouais, bah, obligé. Mais, regarde, quand le T6, il est arrivé, ça a fait du bien un petit peu au bus. Ouais, bah, ouais. Groupe scolaire, brosselette. Bah, comme le T6 est arrivé, après, ils ont supprimé des lignes aussi. Ah, je sais pas, ça fait combien de temps qu'il est dans le T6? Oh, ça fait peut-être 7-8 ans. Ouais. Oh,
c'est assez récent quand même. Ouais, l'époque, je 389, direction Clamart, Georges Pompidou. Là, il y a le T10 qui va arriver. Ouais, enfin, le T10. Donc, du coup, 379, je crois que j'en avais déjà parlé dans la vidéo 279, mais 379, il risque de partir. Ouais, parce qu'en fait, son chemin, c'est quasi. 370, c'est celle qui va à Vénizy, non? Ouais, elle fait Vénizy 2 jusqu'à la croix de Berlin. Ouais. Non, c'est un massif, ça, c'est pas chez nous. Ouais, ça, c'est un massif. Bah, avant, c'était chez nous, ça. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est un massif. Et ouais, ils ont mis les coups, trois portes. Ouais. Livre Île-de-France en plus. Horrible. Je sais pas si t'as déjà conduit, mais c'est horrible. L'Iveco, alors moi ce que j'aime pas sur l'Iveco, c'est les suspensions. Ah, les suspensions, ouais. À l'arrière on les sent. Ah oui. Et par contre, ce que j'aime bien dessus, c'est le freinage. Le freinage, ouais. On m'a dit Eliez et Iveco sur les freinages. Ouais, ils sont top. Le freinage et les volants. Ouais. Le volant, tu peux le tourner avec un doigt. Ah ouais, d'accord. Ah, vraiment super. Ouais, il est super léger et tout. Enfin, non, franchement, il est au top. Après, ouais, les suspensions, de toute façon. Je pense qu'ils ne veulent pas changer les suspensions, ils veulent le laisser comme ça. Ouais. De toute façon, les derniers qui sont livrés avec de la clim. Les derniers, ouais, pour USB, ouais. Le confort est un peu amélioré. Bon, même si les sièges, il n'y a toujours pas d'embourrage. Ah oui, ça par contre, ouais, ça va être choqué. Ça soit sur du plastique. Ouais, ah, c'est vrai. Ils mettent vite fait la couleur IDFM par-dessus. 389, direction Clamart, Georges Pompidou. Ouais. De toute façon, après, ils ont changé, ils ont mis des couleurs aussi. Sur les anciens bus, enfin les Mercedes Citaro, là, les couleurs normales. Ouais. Et là, maintenant, tu sais, le rouge, c'est pas prioritaire. Ça passe très bien. Hein. Ah, donc là, tu vois, c'est toute la montée. Ouais. Là, ça me rappelle le 179 aussi. Ouais. Il y avait une montée après la gare. Après, on descendait. Donc. Ah, repassant. Ouais, en repassant, ouais. En repassant. Ouais, l'allée, c'était la descente. C'était la première fois que j'avais fait ce qu'il y avait. Bah là, ça monte bien, quoi. Ouais. Ouais, c'était lisse ici. Je pense qu'il galère, quoi. Ah, les Citélis ici, à mon avis, alors là, je n'ai jamais fait avec un Citélis, mais voilà. De toute façon, ils ne les mettent plus. Ouais. C'est fini. À part un Malakoff qui reste. Il en reste à porter. Ouais, Malakoff qui reste. Et tu sais, ouais, il en reste juste pour le 391. Ah, ok. Ouais. Le soleil il est arrivé. Putain, si je descends, j'ai peur qu'on voit plus. Ah non, vas-y, si tu veux, vas-y. Là, le beau temps il arrive, ça y est. Et on n'a pas eu de neige en plus. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Cette année on n'a pas eu de neige. Ça va, au moins les bus ils ont circulé. Ouais. C'est un délire, franchement, avec la neige, tu peux pas circuler. Regarde celle-ci, tu vas la monter. Non, c'est attention, non, hein. Ça glisse trop. Ouais. Tu pourrais faire toi des lignes comme ça qui tournent que dans les villes. Ah non. En minibus. Non. T'as pas de temps. Enfin si tu dois avoir du temps, mais tu sais, c'est. Moi je préfère conduire un bus. Ouais. Là t'as l'impression que tu vas conduire une voiture. Mais... Après, il y en a, ils aiment bien, c'est peut-être plus tranquille. Bah, souvent, les personnes que tu charges de plus, c'est les personnes âgées. Ouais. Sur ces trucs-là. Gare de Bellevue. Ouais.
169. Ouais, mais en train. Ah, en train, ouais. Je crois que c'est la M. 389, direction Clamart. Ouais, c'est la M. De Rambouillet à Montparnasse. Tu m'apprends bien un truc, parce que comme ça, moi, je ne savais pas. Moi, c'est quelqu'un qui me demande. Ouais. Bah, je le saurais. Ah, c'est quoi, c'est une petite boucle ici? Ouais, sur la ouais, en fait, tu vas juste récupérer les gens qui sont à la gare de Bellevue. Et... après, tu feras. Et du coup, tu le fais sur les deux sens. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, le bus, franchement, il déconne. Mais je pense que c'est le FAE, quand je le retire trop vite. Et moi, j'ai l'habitude, quand je retire le FAE, les Mercedes, normalement, ils le font. Tu peux appuyer sur la petite pédale d'accélérateur plusieurs fois. Et ça va accélérer, mais là il n'aime pas. Ah. Je pense qu'il doit tomber. Il faut vraiment attendre la fin du bip pour après le l'activer. Ouais. Ça, normalement, quand je vais le retirer, j'aime bien appuyer dessus comme ça direct. Je peux repartir. Ouais, là faut attendre. Ouais. Quelque chose, j'ai mal de général, c'est marqué quoi? Général de Gaulle. On voit plus rien car. Ah ouais, général. Ouais, je crois que c'est marqué ça. Ouais, général de. Ouais, de Gaulle. Ah non, mais là. Ah non, de Gaulle. Ouais, général de Gaulle, c'est ça. La... Gaulle. Ouais, Gaulle, ouais. La plus il n'y a plus rien. Ils ont mis avec un V, mais. C'est dommage parce que. Ils n'entretiennent pas en fait. Ouais, ils le laissent. Ah bah c'était peut-être déjà comme ça. Moi hein. Oh, ça fait combien d'années qu'il est là? Ah c'est ça, on sait pas. Ouais, ouais, je regarde les appartements à droite, je me dis ils sont très beaux. Ah ici ouais. Ouais. Jeanne d'Arc. Ah ici la ville c'est le maison. Ouais. L'antenne du 190, c'est le 290. 240. Celui qui va à INI, non? Non, ça c'est le 294. Ah. Ouais. Jusqu'à ici, Val de Seine. Et le dimanche, il circule pas. Et le samedi, ah, en ouais. Fait, la voie, c'est une ligne vraiment pour aller chercher les gens au travail, les ramener. Thank you.
chiant, je comprends. La cour est devenue un flou ici, ça nous gêne, ça... Moi, ça, on peut l'écraser, enfin, ça abîme peut-être un peu, mais... Ouais, on va dire... Là, ça peut, en fait, ça peut casser... Avec les citarons, ça casse les petits bouts de... Ah, les plastiques des fils. Ouais. C'est relou. Bah, j'avoue, pourquoi ils le mettent, ça sert à rien. Bah, moi, je pense que c'est surtout pour faire ralentir des voitures. Ouais, les gens. Ouais. Ça a l'air sympa, là, aussi. Ouais. C'est serré, mais... On est beaucoup en hauteur, genre, par rapport à Paris où on est en hauteur. Ouais. Encore, on n'a pas fini de monter. Ah ouais. Ah, il y a encore. Ouais. Ah ouais. J'ai pas vu de bleu, j'ai pas vu de bleu. Il est rouge. C'est orange. Orange, ouais. Il m'a fait voir. Wow. Des fois, tu es tellement concentré sur tes rétros que des fois, les filles. Ouais. Si tu t'arrêtes avant, ça va, mais. Après, là, je l'ai passé au rang. Je l'ai pas passé au rang. C'est bon, moi. Ouais. Ouais, du coup c'est ici le 190. Le terminus. Ouais. Non, il est en haut, je crois. Direction Clamart, Georges Pompidou. Parce que là, j'ai pas vu du 190 qui passe par là. En fait, c'est une autre église. Ah, ok. Ouais, il y en a plusieurs. Alors, c'est vrai que ça peut... Porter à confusion. Ouais. Quand je l'ai pris, j'ai dit bon, j'espère que je vais pas m'arriver une galère, c'est pas bon. Ah, ils le mettent, en plus ils le mettent souvent sur le 3.89, sur. Ah, et ouais, j'ai déjà vu cette coquille souvent sur le 3.89. Enfin, après cette coquille. Un petit peu avant moi au terminus. Ah oui, lui aussi il va faire. Ouais, j'en prends plus. Voilà, il me reste.
Bah ouais, j'ai un petit peu de retard. Après, c'est la circulation. Ouais. Après, le lycée, il veut qu'on soit à l'heure, mais... Je pense pas à la circulation non plus. C'est calculé aussi, je sais pas, c'est calculé comment chez eux. Là, c'est là que la montée que je vais te parler. Donc là, en fait, tu fais une partie sur la forêt. Ouais. En fait, t'as vu, tu vois de tout. Ah ouais, non, vraiment, tu passes de la ville à ça. Ah. T'étais sur Paris, après là. Ouais, ouais. Et là, du coup, ils sont en train de faire une course. Je sais pas ouais, j'ai vu ça tout à l'heure quand j'étais à Sèvres. Ah. À Sèvres, je les voyais courir. Du coup, tous les bus, ils étaient limités. Ça. Il y a trois mots. Ah, Vélizy. Ouais. On
va pas aller là-bas, hein, mais ouais. On est pas juste à côté. Ailleurs, mais je sais pas où. Parce qu'en fait, bah, c'est eux, ils ont des autres pieds, ils sont énormes. Ouais, bah ouais, j'imagine, d'ici, enfin de Massy jusqu'à Venise, ça doit être. Ouais, c'est. Massy de Sèvres, ouais. Ça doit vraiment être. Ouais, balèze, hein. Et encore, c'est pas le plus grand. Ah, t'en as un, on m'a dit, Ling, là, t'as 50 minutes de pied. 50 ouais. Minutes de pied. Ouais. Wow. C'est une course. Et il y a plein de chauffeurs qui. Enfin, y a plein d'assureurs ouais. Qui aiment bien prendre parce que du coup, de toute façon, tu fais que du dépôt-dépôt. Et... Ouais, ça doit être 50 000. Ouais. Peut-être le. Non, ah le 216 peut-être. Le marché de Rungis, c'est un grand Orléans. Oui, peut-être. Après, on m'a dit, il y en avait un qui allait jusqu'à. Donc c'est celle-ci, le 50 minutes. Ah oui, 399. C'est celui-ci ? Ouais, 399, ce que j'ai dit. Le haut, le pied. 399, là-bas. Facile 4-5 tours pour vraiment aller peut-être pas 4-5 tours mais peut-être 3-4 tours pour ouais, parce qu'en fait tu fais pas comme le 289, le 289 il va faire un petit tour et il va direct à Clamart alors que nous enfin lundi hein. Donc ouais au début je me suis dit si je prends pas la tablette là aujourd'hui c'est foutu. Même dans ma tête, je me dis, attends, il faut vraiment passer par où là parce que, non, en fait, j'ai repéré avec les endroits que je me cible. Ouais. Ouais. Ah, t'avais dit 15 minutes max. On avait dit à 51, mais... Ça, tu vois, je t'ai dit, on va arriver, hein, en fin de compte, on va arriver un petit peu en retard. Thank you.
C'est encore loin là ou... Non, là il reste rien. En fait ici tu vas juste faire un petit tour. Tu vas récupérer, mais il n'y a personne aux armes. Il est juste là. Ouais. Et quand tu dis, bah, il est 17h05, moi mon terminus il est de l'autre côté du coup. Ouais, j'ai faim. Ouais. Bon bah pour la vidéo, c'est parfait. T'as le scotch qui commence à lâcher, je vois là. Je vais devoir le changer encore. Bon ça va, j'en ai plein. Ah quoi que. Bah ouais, du coup t'as dit t'as la boîte. Ouais, j'ai loupé un truc, ouais. Bah ouais, parce que tout à l'heure j'ai passé. Bon, enfin, je veux dire, c'est pas grave. Mais il n'y a personne là-bas. Ouais, ouais. Ah, t'avais dit 15 minutes, ça fait 15 minutes. Enfin, 14. Si on est dessus. Bizarre, ça. Il manque un arrêt. CG. Ah non, c'est ça. Ah, j'ai loupé deux arrêts, grand max. Ouais. Oui, il y avait vraiment personne. Ouais, il y a personne. Même à pied, je pense. Viroid 10. Je vais pas que c'était une Viroid 10. Bon, bah on est bon. Hein. Bon, je vais aller avec toi devant la rue. Tu récupères un peu.